Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer étape par étape comment réaliser ce petit make-up donc très frais, très naturel. Donc c'est un maquillage très facile à réaliser également. Vous pouvez le porter donc pour aller au lycée, pour aller, faire votre sport si vous n'avez pas envie qu'on voit trop vos imperfections, mais que vous avez juste envie de, voilà, d'avoir un petit teint un peu frais. Voilà, en tout cas c'est un maquillage que moi je peux porter dans ma vie de tous les jours quand j'ai pas envie de me maquiller beaucoup. Si vous avez envie de savoir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer cette vidéo, donc je vais mettre une base. Donc c'est la matte crème de chez Herborian qui se présente comme ceci. Et là je vais faire pas mal de petits points. Et ensuite, je vais venir la travailler avec mon pinceau. La matte crème, c'est une base de teint matifiante. En fait, elle s'adapte à tout type de peau, qu'elle soit grasse, sèche ou mixte. Ça, c'est vraiment l'avantage. Voilà, c'est une base 5 en 1. Elle floute les imperfections, elle unifie le teint avec un fini très mat. Elle affine également aussi le grain de peau. Elle préserve aussi la fonction barrière de la peau, donc pour retenir l'hydratation hein, quand vous avez la peau très sèche. Et elle matifie pour préparer la peau au maquillage. Donc voilà, elle est vraiment, je trouve que c'est une base vraiment complète. Une fois terminée cette étape, donc je vais venir mettre ma CC Dull Correct de chez Herborian également. Alors, la caméra ne veut pas faire focus. Voilà. Et également venir faire plein de petits pointillés et ensuite je vais venir l'estomper. La CC Dull Correct, donc c'est un soin avant tout. Donc voilà, elle corrige automatiquement la perte d'éclat grâce à ses pigments violets et de ses perles minérales. Donc c'est vraiment des micro-perles qu'on ne voit pas et qui vont éclater en fait quand vous allez, en fait le mettre sur votre visage et quand vous allez l'appliquer avec le pinceau ou soit avec votre Beauty Blender. Voilà, donc elle est là vraiment pour unifier le teint et flouter les imperfections. En tout cas, ce que je peux vous dire sur cette CC Dull, c'est que elle est enrichie en fait en extrait de réglisse. Et donc je vais prendre mon pinceau et je vais venir estomper le tout. Alors vous voyez, elle est très teintée et tout, mais une fois bien travaillée, donc elle va prendre la couleur de la peau. Donc une fois que j'ai terminé ça, je viens fixer le tout avec ma poudre Libre de chez By Terry. Voilà, je vais venir prélever la matière et poser sur tout mon visage pour fixer en fait le tout et pour pas que voilà ça coule et ça va dans les rides et les ridules. Une fois arrivé à cette étape, vous pouvez très bien vous arrêter là. Moi personnellement, j'aime bien mettre un peu de mascara, un peu de blush. Et voilà, donc je vais continuer du coup à... Je vais continuer donc mon make-up. Et pour ça, donc je vais prendre un crayon marron que j'ai. Donc c'est celui de chez Kiko. Voilà, c'est le 05. Et je vais venir vraiment le mettre au niveau donc de ma muqueuse supérieure, mais à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire. Donc voilà, je lève comme ça et je viens. Alors c'est pas évident parce que j'ai juste le retour de la caméra, je vois pas ce que je fais. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le principe. Donc je vais le faire face à mon miroir et puis je vais vous montrer la différence. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas ça, déjà on voit que ça m'agrandit un petit peu le regard, ça me donne un regard un petit peu plus réveillé. Donc je vais faire l'autre côté également.
Donc une fois que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon mascara, donc le Sky High de chez Maybelline. J'ai choisi celui-ci parce que il a tendance, en fait, avec sa petite brosse. Alors je sais pas si vous voyez la brosse. Donc en fait c'est une brosse qui va bien vous séparer les cils. Alors moi je vais m'arrêter à une première application. Après, si vous voulez avoir un peu plus de volume, il va falloir faire plusieurs fois. Donc c'est le principe de ce mascara en tout cas. Et je vais venir également mettre juste sur mes cils supérieurs pour vraiment agrandir le regard. Voilà, comme ceci. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, moi je vois qu'il m'agrandit quand même plus le regard. J'ai l'œil un peu plus ouvert. Je vais procéder de la même façon de l'autre côté. Donc voilà, comme ceci. Et donc pour donner un teint encore un peu plus frais, je viens mettre donc le blush de chez L'Oréal, le Melon de l'Art Baby. Vous voyez cette couleur un peu... Donc c'est une couleur très pêche, très naturelle également, que je vais venir mettre au niveau de mes pommettes, mais je vais également monter un petit peu ici au niveau des tempes, et je vais également mettre un petit peu ici. C'est vraiment pour donner un petit teint très très frais. Voyez tout de suite la différence entre ce côté là et ce côté là où j'ai pas mis de blush. Et donc au niveau des lèvres, j'ai décidé de prendre donc le lip Mickey Mouse de chez Clarins. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc voilà, à l'intérieur il est comme ça, il est un petit peu coloré. Et en fait quand vous appuyez, vous allez voir le produit qui sort. Alors moi je vais venir le mettre donc sur mes lèvres. Et c'est vraiment pour donner un côté un peu plus coloré à vos lèvres. Voilà, comme ceci. Vous voyez, ça va juste venir colorer un petit peu mes lèvres, mais pas trop. Et voilà, donc cette vidéo, elle est déjà terminée. J'espère en tout cas que toutes ces petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez du coup de ce petit make-up très frais, très naturel. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !